Alors, Umano, on a fait des applications pour la plateforme Nao pour mettre un assistant à la vente dans les magasins. Donc l'idée, c'est que le robot va avoir différents rôles, comme l'accueil ou ici la démonstration. Et comme c'est un robot assez mignon, il attire les clients. Là, il va faire une démonstration augmentée parce qu'il contrôle par exemple ses lampes connectées et il va pouvoir expliquer la valeur d'usage aux clients de la lampe connectée. Et ensuite, il fait le relais au vendeur. Donc on est vraiment sur un robot qui va assister sans remplacer, qui est un outil à la vente et qui en même temps enrichit l'expérience client. Appréciez-vous votre visite d'InnoRobot ? Oui. J'en suis ravie. C'est vraiment chouette de voir tous mes amis robots et humains réunis ici. Parmi mes amis, il y a les autres membres du Hub Robotique Cobotim. Cette démarche a pour objectif d'animer et de structurer l'action de la région Rhône-Alpes dans le développement de sa filière robotique. Et chez Umano, nous sommes fiers d'en faire partie. Si vous restez avec moi, je vais vous donner un aperçu de ce que Umano a réalisé avec des ampoules connectées. Au cœur de votre maison connectée, il y a votre smartphone ou votre tablette, ou moi. Reliés à tous vos objets intelligents, nous nous transformons en véritable télécommande multifonction. Musique, lumière, chauffage, vous pouvez les allumer, les éteindre et les ajuster en quelques gestes. Dites-moi, quelle est votre couleur préférée ? Ah, pas mal, non ? Regardez, on peut faire des variations autour du bleu. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. Est-ce que vous avez apprécié, vous aussi ? C'était agréable de passer un peu de temps avec vous. J'espère que vous reviendrez me voir. En attendant, n'hésitez pas à discuter avec notre équipe et à aller voir les autres stands de la région Rhône-Alpes. En vous souhaitant une bonne visite à InnoRobot.